Salut, alors voilà, là cette fois-ci, on fait la quatrième mission, ouais, c'est ça. Avant de voler la voiture à partir de la casse, qui est disponible dans la mise à jour The Shop Shop. C'est un nom bizarre, mais bon, c'est le nouveau DLC de décembre. Donc là, c'est perturbation, équipement. Ça fait référence à plein de choses maintenant. Les missions se répètent plus ou moins, mais bon. Par la suite, il y aura des tâches. Bah, d'ailleurs, je vais les faire là, juste après. En fait, ouais, c'est des missions, en fait, plus ou moins revues, quoi. Mais je sais pas, dans la simplicité des missions, on va dire que ça, y a quelque chose qui change un peu. On va dire, parce que les missions sont quand même très simples, hein. Donc, c'est peut-être ce côté-là qui fait que ça sort un peu du lot, légèrement. Les missions sont quand même très simples. J'ai rarement vu des missions aussi simples que ça et aussi rapides. Donc, à mon avis, c'est ce qui fait que ça sort un peu du lot. Et fais-moi cramer ça, là. Allez, hop. Alors, le planning, ça doit être ça. Et voilà. Et les missions, elles sont toutes comme ça, quoi. Tu rentres, tu tues trois mecs, hop, tu récupères un truc, hop, tu te casses. C'est tout, hein. Là, non, là, après, faut détruire des mecs. Ah, faut détruire 4 bagnoles. Enfin, ça va pas être compliqué, hein. Donc une fois que vous avez terminé les 4 missions, là vous avez des tâches à faire. Vous avez des icônes de sacs verts sur la carte et il faudra y aller et faire des petites missions, mais c'est encore plus simple que ça encore, hein. C'est vraiment des petits détails à faire, comme dans le mode histoire, pour aller cacher des sacs, prendre des masques, récupérer des objets utiles pour le braquage, quoi. Donc voilà, c'est très simple. Et puis après, c'est le vol, hein. Là, après, je fais la vidéo sur le vol. Là, ça va être intéressant parce que là, ça va être 400 000. Enfin, pour ma part, ça va être 400 000. En fait, tout dépend de la voiture que vous choisissez de voler au début. Vous avez le choix entre 3 voitures. Voilà, c'est pour ça. Abonne-toi pour du contenu divers et varié sur GTA. Et puis, on se retrouve bientôt pour du contenu divers et varié sur GTA. Comme d'hab. Salut, à bientôt.